Bonjour, là j'ai commencé à filmer maintenant pour faire genre une petite marmite en argile. Premièrement, pour faire ça, on appelle ça en arabe qadra. Pour faire ça, il faut bien sûr acheter de l'argile qui résiste au feu. Et puis, vous commencez à. Vous mettez le. Vous travaillez l'argile, bien sûr, et après, vous la mettez sur un truc qui tourne comme ça. Vous commencez, c'est comme faire une tasse, genre un mug ou une tasse, mais avec un peu. Une grande quantité d'argile. Et après, petit à petit, je vais vous montrer. On prend ici l'argile, celle-là, du sac. Regardez. Sur le sac, vous avez le numéro vous avez la température, à quelle température elle cuit. Et toutes les informations sur cette argile. Il faut quand même, je veux dire, il faut la cuire peut-être chez où vous allez acheter l'argile. Donc, généralement, ils vous payent un peu, ils vous font cuire cette argile si elle cuit à haute température. Après, on fait un boudin comme ça, on le tape un peu sur la table, comme ça, pardon. Et puis, ici, par exemple, où c'est large, vous mettez un boudin large. Ici, c'est un peu plus, comment dirais-je, plus restreint. Le trou, il devient de plus en plus petit. Vous mettez un boudin qui a la taille un peu ou un peu moins que le trou. Et après, vous commencez à faire ça parce qu'il est maniable maintenant. Il a pas été beaucoup dans l'air. Mais il faut même remettre ça dans le sachet parce que l'argile, elle sèche pas vite, mais quand même, elle sèche. On fait ça de l'extérieur et aussi de l'intérieur. De l'intérieur. Je sais pas, je peux parler en arabe, mais je parle français parce que peut-être il y a des gens qui comprennent pas l'arabe en France ou au Canada ou ils veulent faire leur propre, comment dirais-je, marmite pour faire les soupes au Ramadan. Et puis, on trouve l'argile, c'est mieux pour la santé que, je vais dire, d'autres. Et toujours, je veux dire, d'autres matières. Et c'est toujours un plaisir de faire notre propre marmite avec la main, comme ça reste un souvenir. Et vous pouvez même la passer à vos enfants. C'est comme un truc qui est vraiment. Je veux dire, il a un attachement sentimental. Donc, vous appuyez un peu, pas trop. Il faut pas la mettre trop, comment dirais-je, fine, parce que ça, pour que ça, elle va pas collapse.
faut pas mettre ça très fin et ça grand, ou faut mettre en fait ça plus gros que en haut, parce que c'est la base de la marmite, qadra, comme on dit, nous, qadra ta shorba. Donc rien qu'avec la main, sans avoir le tour. Et après, il y a ça où vous prenez un truc lisse. Je vais le mouiller un peu. Et vous allez la lisser comme ça. Et ne vous inquiétez pas, vous pouvez l'ajuster, couper un peu. J'ai mis, elle est trop haute, je pense. Et aussi pour qu'elle porte beaucoup plus de liquide, il faut faire ici, il faut la mettre un peu ronde, comme en fait comme un ballon, genre une, oui, un ballon. Avec ça. Donc sans le tour, vous pouvez faire plein de trucs si vous aimez la poterie. Moi, je vais vous montrer, j'avais acheté celle-là. J'avais acheté celle-là et elle est grande. Je voulais faire une autre plus petite, comme j'avais l'argile qui est pour la cuisson. J'ai fait déjà un tagine. Là, j'ai besoin juste d'un petit morceau. Je le rajoute ici. Et après, il faut bien, bien, bien lisser pour que, il faut pas que vous laissez des trous. Parce que si vous laissez des trous, après, dans la cuisson, elle va exploser ou elle va faire un trou. Donc, il faut bien, bien, bien lisser, bien presser l'argile. Pour que ça soit qu'elle soit plus sûre pour la cuisson. Tourner comme ça fait donner une forme à symétrique. Et puis moi j'aime pas les trucs très très perfectionnistes, j'aime quand il y a un peu ça se voit que c'est fait avec la main. Je pense pour moi c'est joli, ça fait pas effet la roue genre c'est plus on finit plus vite, c'est plus pratique, mais c'est comme tu l'as fait dans une machine, c'est comme industriel. Genre, c'est ça. Après, je commence à la lisser comme ça. Donc un peu, vous avez compris le principe.
Là, un peu plus haut, je vais couper un peu avec ça. Parce que toujours, il y a un côté, des fois, qui est plus haut que l'autre. Après, dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment faire les mains et les mains et le couvert. Je veux faire un couvert. L'autre que je vous ai montré, elle n'a pas de couvert. Donc celle-là, je veux bien lui faire un couvert comme ça sera. Tu peux mettre de la viande dedans. Tu peux mettre ta truc. Même tu l'amènes pour faire quand vous sortez dans la forêt ou pour faire un barbecue. Vous pouvez mettre de la viande dedans, des légumes. Et voilà notre marmite pour cuisiner. C'est pas pour décoration. Allez, à bientôt aux prochaines vidéos.